You know, Liberia is a team always struggling when it comes to African competitions. And now we are trying to rebuild our capacity. And it's going to happen slowly. Yes, we are 1-1-0. And coming to Senegal, we knew it was going to be tough, but we wanted to take the challenge. And we fought, but we have some mistakes, a lot of mistakes, tactical mistakes. Maybe I would say a lot of tactical tactics defensively. We were not disciplined. Okay, let me translate just a bit. Vous savez, le Liberia a toujours rencontré des soucis en ce qui concerne les championnats, les tournois africains. Nous savions que cela n'allait pas être facile de jouer contre le Sénégal. Tout de même, nous avons battu à domicile par 1-0. Au match de retour, nous savions également que ça n'allait pas être facile, et ce qui a été le cas. Nous avons fait quelques erreurs, nous avons commis quelques erreurs, surtout des erreurs tactiques au niveau de la défense. Can you continue? Yeah. So we had a very serious problem in our discipline when it comes to the tactics, defending and attacking. We have poor discipline. So that was our problem. It was very serious, and our opponent took advantage of our indiscipline attitude to the field play. Nous sommes confrontés à un problème de discipline tactique, que ce soit la défense que au niveau de l'attaque. Yeah. L'attaque n'a pas été cohérente et la défense a été vraiment en désordre. C'est la raison pour laquelle nous avons perdu ce match. And so we have to give the credit to the Senegalese team. They play so well, they attack, they defend as a group, and I think this is something we also will learn you from. And yes, well, we have a good team also, but our players did not really express themselves to be in the game. So because of their indiscipline errors, they were not able to express their own talent. En dehors, au-delà même de cette question d'indiscipline, de notre équipe, nous admettons que le Sénégal a très bien joué tout de même. Donc, ils ont bien maîtrisé le jeu et ils nous ont gagné, raison pour laquelle nous les félicitons.